Salut les astronautes amateurs en herbe qui sont curieux et aussi... qu'est-ce qu'on avait dit sur les surnoms? D'y aller tranquille peut-être. C'est-à-dire que tu trouves que j'en fais trop, c'est ça? Oh, si peu. Ouais. Bon bah salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous a trouvé plein de nouvelles actus, donc je vais vous les présenter tout de suite. Et oui, sans transition, puisque dans la vidéo du jour, on va voir que si les gauchers existent, c'est à cause d'un gène bien précis qui rend tout le corps asymétrique. Ensuite, on va faire un point sur le climat, puisque la photosynthèse des arbres augmente en masse et c'est tant mieux pour la planète. Puis on s'intéressera à une étude qui montre que la prison n'a aucun impact sur la récidive. Et enfin on va parler de la guerre entre Google et Huawei parce qu'il y a plein de rebondissements. Voilà, 4 grosses actus et le tout saupoudré de petites brèves seront au programme du jour, donc tout ça pour votre plus grand plaisir. Ça fait pas un peu too much? Mais non t'inquiète, c'est nickel, excellent, génial. Ok, ça a l'air sincère, du coup c'est parti pour cette nouvelle AstroNews numéro 32, générique. La plupart des animaux sont biologiquement asymétriques. Par exemple, on a le cœur à gauche et le foie à droite, nous humains. Je sais pas si vous êtes humains, mais... Bref, certaines personnes sont montées à l'envers, genre les organes ne sont pas placés du bon côté. Et d'ailleurs, la symétrie gauche-droite dans votre corps, ça joue aussi un rôle dans le fait d'être droitier ou gaucher. T'es en train de dire que les gauchers sont montés à l'envers? Non, pas du tout, ce serait pas sympa. En revanche, parce que oui, il y a une revanche, c'est comme s'ils étaient le miroir d'un droitier. Tout est pareil, mais dans l'autre sens quoi. Bref, les chercheurs se sont rendus compte que cette asymétrie, cet effet miroir, serait lié à un gène. Et du coup, Constance, puisque c'est pas très clair finalement, quand cette découverte dit qu'un gaucher, bah c'est le miroir d'un droitier et que tout est monté à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, chaque organe a sa place dans votre corps et ça c'est grâce à un gène. Du coup, si ce gène mute, ça peut inverser le sens de vos organes ou de certaines parties de votre cerveau. Et ça peut vous rendre gaucher. Et d'ailleurs, le sens de montage de notre corps se décide vraiment au tout début du développement, quand on est alors qu'un petit amas de cellules, même pas un embryon. Pour tester l'hypothèse selon laquelle c'est un gène précis qui crée la symétrie dans le corps, les chercheurs ont observé des escargots. Ah oui, il y a un peu plus glamour, mais ces escargots ont la coquille qui s'enroule vers la droite. Sauf dans des cas un peu rares où la coquille va vers la gauche à cause d'une mutation génétique. Et donc, les scientifiques ont isolé le gène LSDA1, ils ont créé des escargots avec une coquille qui va vers la gauche. Magnifique. La science, ça change la vie. Bon, concrètement, ils ont réussi à identifier le gène responsable de l'asymétrie. Et c'est un gène que tous les animaux possèdent, même les humains. Oui, et ça, c'est surprenant. Ça veut donc dire que c'est sûrement possible de faire pareil sur les humains. Alors, cette découverte va permettre d'expliquer certaines malformations chez des bébés qui auraient, par exemple, le cœur à droite. Normalement, c'est quand même à gauche. Si le bébé a le cœur à droite, c'est parce que c'est une malformation et c'est pas la science qui lui a foutu à droite. On a attendu qu'il soit né pour s'en rendre compte. Actuellement, on n'a pas encore la capacité de pouvoir transvaser un cœur de gauche à droite. Et je ne suis pas sûr que de toute façon, dans le futur, ce soit hyper bien admis. Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me ramènes. Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague. Les brocolis, les choux de Bruxelles, le chou frisé, tous ces légumes pourraient avoir un énorme intérêt pour notre santé, puisque des chercheurs de l'université de Harvard viennent de se rendre compte qu'ils pourraient prévenir le cancer et même soigner les tumeurs. Alors c'est simple, pour se développer, le cancer a besoin de certaines enzymes, qui sont donc des protéines qui déclenchent des réactions chimiques dans le corps. Autrement dit, c'est comme des outils. Et donc, dans le brocoli, il semblerait qu'il y ait une molécule capable de stopper certaines de ces enzymes, ce qui, ni plus ni moins, couperait l'herbe sous le pied au cancer, et donc il pourrait pas bosser correctement pour se propager. Du coup, faut en manger combien pour que ça marche? Eric, disons que si tu veux te soigner en bouffant que des brocolis, je te conseille plutôt de prendre une molécule en gélule. Parce que sinon, faudrait quand même, selon les scientifiques, ingérer plus de 2,5 kg de brocolis par jour. Ça fait donc quand même peut-être beaucoup. Alors je sais bien que vous aimez bien les actus sur l'environnement, la planète, tout ça. Eh bien, en voici une, et plutôt optimiste. J'ai fait un effort, j'avoue, puisque oui, dans la news du jour, je vais vous parler des émissions de CO2 qui ont énormément augmenté, surtout depuis l'ère industrielle. Et en plus, il y a de moins en moins d'arbres sur la planète pour les absorber puisqu'on les découpe tous. On avait dit optimiste. Ouais, putain, je m'égare un peu. Bref, en tout cas, une étude franco-australienne a montré que la photosynthèse des arbres, s'améliore. Revenons aux bases, la photosynthèse, c'est le fait que les plantes absorbent du dioxyde de carbone, donc le CO2, et qu'elles recrachent du dioxygène, donc de l'oxygène. Et l'inverse se produit dès que quelqu'un ou quelque chose respire. On absorbe de l'oxygène et on recrache du CO2. Dans un monde équilibré, tout va bien, l'un compense l'autre. Sauf que voilà, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a énormément augmenté. Et le nombre de végétaux, lui, pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a encore un équilibre? L'étude qui a été menée suggère que oui. Globalement, plus il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus la photosynthèse est stimulée. C'est comme la nourriture finalement, plus il y a de bouffe, plus les arbres mangent. Et du coup, même si la quantité de CO2 augmente, eh bah la photosynthèse augmente tout autant. Et c'est ça qui a étonné les chercheurs, c'est que les deux augmentent exactement pareil. Oui voilà, mais après ça veut pas dire qu'on est tous sauvés et que le réchauffement climatique ça n'existe pas. C'est juste que pour l'instant, la nature arrive à maintenir cet équilibre là. Mais je dis bien pour l'instant, parce que les chercheurs considèrent que les plantes sont au max de leur capacité. Donc à long terme, il va falloir quand même réduire nos émissions de CO2 si on veut maintenir le fragile équilibre de la vie. C'est un simple calcul ma petite. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. L'Organisation mondiale de la santé va mettre à jour sa classification des maladies. Vous savez, elle tient un genre de répertoire qui sert de base aux médecins à travers le monde. Et donc, parmi les nouveautés dans la catégorie dépendance, il va peut-être y avoir l'addiction aux jeux vidéo. Si c'est validé, eh bien la dépendance aux jeux vidéo sera reconnue comme un trouble de santé mentale. Ouais, et du coup, c'est quoi les symptômes de cette maladie terrible? Bah, rien de vraiment nouveau, c'est en fait le fait de passer beaucoup de temps sur les jeux, d'en faire une priorité dans sa vie, et de jamais s'arrêter quoi. Mais bon, vous vous en doutez, l'étiquette de maladie mentale fait quand même polémique. La prison, c'est une institution qui parfois est remise en cause, notamment sur son efficacité. Des chercheurs se sont récemment demandé si les peines de prison avaient un impact sur la récidive. En gros, si le fait d'être enfermé pour un crime est une méthode qui dissuade de commettre de nouveaux crimes une fois libéré. Et la réponse semble être non. Alors pour mener leur enquête, les chercheurs ont étudié plus de 100 000 personnes condamnées pour des violences dans le Michigan. Ils ont ensuite regardé ce que ces prisonniers étaient devenus une fois qu'ils avaient fini de purger leur peine. Du coup, le tableau n'est pas joyeux. Sur ces 100 000 personnes, certaines ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. Donc hop, direction la prison sans passer par la case départ. Mais d'autres ont simplement eu le droit à des peines de probation. Donc en gros, peine de probation, c'est qu'on vous menace de vous mettre en prison, mais t'y vas pas vraiment. Et en comparant le taux de récidive dans les deux cas, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait très peu de différence. Visiblement, que tu sois enfermé en prison ou pas, eh ben ça change rien du tout. C'est-à-dire que la peine de prison n'empêche pas de commettre de nouveaux crimes une fois libéré. C'est quand même une nouvelle assez incroyable. Ouais, ça veut dire que les peines de prison n'ont aucun effet dissuasif sur les criminels. Alors bon, sans s'emballer, cette étude ne fonctionne pour l'instant que pour les États-Unis, mais l'Observatoire international des prisons est venu aux mêmes conclusions quand même en janvier pour la France. Du coup, c'est vrai pour tous les pays? Oui, c'est assez généralisé visiblement. Bref, en France, 63% des personnes condamnées à une peine de prison ferme seront recondamnés dans les 5 ans. Et donc vu que la prison semble peu efficace et qu'elle coûte cher, certains voudraient que les punitions judiciaires soient entièrement repensées. J'ai un truc à te dire, c'est un secret. Je sais pas comment, mais je vais me débrouiller pour sortir d'ici. Et là, je te tomberai dessus comme un ange vengeur. Alors bon, les voitures autonomes, c'est quand même le turfu, c'est cool, tout ça. Et les Tesla, bah pas besoin de vous le répéter, on aime bien, une belle bagnole quoi. Et bah figurez-vous qu'un Hollandais a trouvé une utilisation bien particulière pour son petit bolide. Il est allé au bar avec des potes, il s'est mis une caisse, sans seuil. Il s'est bien bourré la gueule, hein. Là il n'est pas rentré dans une caisse. Par contre, sa voiture, qui est donc une caisse, l'a ramenée. Oh putain, dit, oh je me suis embrouillé le cerveau, vous avez compris? Ouais t'inquiète, mais du coup c'est quoi la suite? Le gars pionçait au volant et la voiture conduisait toute seule en le ramenant chez lui. Une sorte de Uber gratis. Et comment on le sait du coup? Eh bien, tout simplement parce que la police passait par là et qu'ils ont vu une Tesla qui roulait tout doucement derrière un camion. Et quand ils ont voulu arrêter le gars au volant, bah, ils se sont rendus compte qu'il dormait. Et même plutôt bien, du coup ils ont réussi à le réveiller à grands coups de sirène pour finalement lui retirer son permis. En ce moment, c'est un peu le drame dans le monde des smartphones. Ah, c'est tout simple en fait, Trump a signé une loi qui interdit les relations commerciales avec certaines entreprises étrangères qui sont jugées à risque. Du coup, Google a décidé d'arrêter son partenariat avec le constructeur chinois Huawei, même si ça se voit comme ça à l'œil Huawei, hein. Ça se dit Huawei, hein, c'est comme ça. Donc bref, ce qui voudra dire qu'il n'y aura plus d'Android sur cette marque de téléphone. Et tout cela parce que la Chine est soupçonnée d'espionnage. Alors c'est un peu la cata du côté de Huawei parce que s'il doit changer de système d'exploitation et qu'il ne peut plus installer les applications Google, ça va salement impacter ses ventes, hors de la Chine. Ouais, enfin on parle du deuxième plus gros vendeur de smartphones au monde quand même. Alors oui, c'est clair que c'est pas rien. Bon, après le partenariat va s'arrêter un peu moins brutalement que prévu puisque un sursis a été annoncé, c'est-à-dire un sursis de 3 mois. Et pendant ces 3 mois, une licence temporaire est accordée pour que le Chinois ait le temps de trouver un plan B. Pas d'inquiétude hein, quand même pour les possesseurs de Huawei, ils avaient quand même un projet d'OS dans leur carton. Et donc cet OS, on dit ce système d'exploitation, s'appellerait Hongmeng OS et il serait en développement depuis 7 ans. Autant dire qu'ils n'ont pas attendu d'être bannis pour réfléchir à une option de secours. Alors bon, en soi, ce n'est pas le fait de développer un OS qui est difficile, mais c'est de réussir à l'imposer. Parce que oui, on est dans un monde où tous les smartphones et toutes les applications fonctionnent soit sur Android, soit sur iOS. Après, j'ai envie de dire, les Chinois ils s'en foutent puisque de toute façon ils n'ont pas accès aux services Google comme le Play Store en Chine. Je vous rappelle que là-bas c'est quand même un petit peu verrouillé. Hein. Ils ont des notes sociales les mecs, hein. Des notes sociales. On en reparlera dans une autre vidéo quoi. Mais pour les Européens, ça risque de leur changer pas mal de choses s'ils ne peuvent plus rien faire marcher sur leur smartphone. Bref, dans tous les cas, Huawei a annoncé vouloir construire un nouveau écosystème plus durable et sûr. Mais plus sûr pour qui? Pour le gouvernement chinois? Oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, dans tous les cas, ça aura le mérite de proposer une troisième option d'OS, donc on va suivre ça de près. Je pense que cette disquette ne marche que sur les ordinateurs américains. Quelqu'un n'a qu'à nous en rapporter un? C'est impossible depuis l'embargo de Reagan. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, vous vous dites peut-être qu'on n'a pas lu le commentaire. Bah si, justement, je voulais le dire maintenant. Tu comprends, Eric, qu'on attend de la fin de la vidéo pour que ce soit juste adressé aux vrais, ceux qui restent jusqu'au bout de nos vidéos, les plus fidèles des fidèles, nos abonnés, les meilleurs, les plus incroyables et les allez, plus... c'est reparti. Ouais, bon, j'ai compris. Du coup, pour le commentaire du jour, c'est celui de Kirb qui nous dit je trouve que la musique de l'intro est juste kiffante. Ça, c'est gentil, merci. Et globalement, c'est vrai que vous êtes nombreux à nous faire des super retours sur la musique qu'on nous a composé, donc ça nous fait évidemment très plaisir, et donc j'en profite aussi pour remercier Pad, qui est le compositeur derrière tout ça. Pour l'anecdote, il avait aussi composé toute la musique de notre jeu vidéo Necropalace. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien, vous êtes au top. Oui merci, c'est trop cool. Et on est en route pour les 100 000 abonnés. Et oui, c'est vrai, et ainsi on pourra ajouter un petit trophée dans les locaux, voilà, ce sera cool. C'est pas comme si on les collectionnait non plus, mais bon, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à répondre au sondage pour voir ce que les gens préfèrent, et sur ce, eh bien on se dit à la prochaine.